s'était ordonné dans un endroit qu'on appelle le campement. Et c'était là où il y avait des soirées dansantes. C'était un bar, restaurant en même temps, et puis un hôtel, une sorte d'auberge. Okay? Et puis, on avait négocié avec les musiciens de Mando Doumbia, le grand frère Mando Doumbia, père à son âme. Et puis, ils m'ont permis, à la mi-temps, avec la mi-temps, c'est les soirées de 21h à l'aube. Okay? Donc, voilà quoi, on a négocié avec les musiciens de Mando Doumbia. Et puis, ils ont accepté de m'accompagner durant la mi-temps. Okay? Donc, j'ai fait deux chansons. J'ai fait une chanson « Snoopy revient ». Okay. Et puis après, j'ai fait Can't Stand It de James Brown. Okay. Et puis les gens, évidemment, ils ont aimé. Je ne parlais pas anglais, en français ça allait. Okay. Mais bon, l'ambiance était là, quoi, tu vois. Et puis on s'est bien éclaté. Alors mes amis d'école étaient fiers, tu vois, d'avoir parmi eux un chanteur. Okay. Et les jeunes filles étaient fières de connaître, on m'appelait Elvis Blondie, tu te rends compte? You know? J'étais fier d'avoir, voilà quoi, Elvis Blondie.